vedette de la chanson, star de cinéma, comédienne de théâtre, après 50 ans d'une carrière qui a débuté avec plein soleil, Marie Laforêt pourrait s'estimer heureuse d'avoir pu enchaîner tant de succès. D'autant qu'elle les a obtenus sans les efforts que tant d'autres ont dû produire pour réussir dans ce domaine. Un domaine souvent léger, certes, mais rendu élégant et subtil par sa présence et son talent. Mais il y a toujours une explication à rechercher dans les mécanismes les plus évidents de la fascination. Je ne me destinais pas du tout, mais pas du tout, à faire ce genre de carrière, d'autant plus que j'avais un gros problème qui était un problème de timidité, mais une timidité maladive, où je n'arrivais pas à parler, à des gens que je ne connaissais pas, j'étais totalement bloquée. Encore plus s'il s'agissait de faire un spectacle ou quelque chose comme ça, j'étais annihilée totalement. Ma sœur, par contre, elle était plutôt extravertie et elle se destinait à être comédienne. Et Raymond Rouleau lui a proposé de faire un concours de théâtre, donc le fameux concours de théâtre dont vous parlez. Et elle n'a pas pu le faire pour une raison que j'ai oubliée. Et le résultat, c'est qu'on est allé s'excuser ensemble. Et Raymond Rouleau m'a vu et m'a demandé si je voulais faire ce concours. Et je me suis dit, voilà une magnifique occasion d'essayer d'exprimer quelque chose, de sortir un son. Déjà de sortir un son en face d'un monsieur que je ne connais pas. J'ai jamais imaginé que je ferais le concours de théâtre. Il y avait une sélection drastique où il n'y avait que 16 personnes qui étaient retenues, 8 garçons, 8 filles, pour 3000 candidats à peu près. Donc c'était tout à fait en dehors, d'autant plus que moi j'étais en philo et voilà, je ne faisais pas de théâtre quoi. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'on me choisisse et je me suis dit je vais aller voir ce monsieur, puis je vais apprendre une scène et puis je vais passer un truc devant lui. Si j'arrive à dire un son, déjà j'ai le sentiment que j'aurais gagné quelque chose, j'aurais fait un grand pas en avant. Et puis je suis allée, donc c'était 8 jours plus tard, lui passer une scène de Roméo et Jeannette, d'Anouilh, et il me dit « vous êtes sélectionnée ». J'ai commencé ce concours en me disant « bon, la première fois je serai éliminée et puis on verra bien quoi, c'est tout ». Et puis j'ai pas été éliminée, et puis la deuxième fois non plus, et puis la troisième fois non plus. Et puis voilà. À la fin de l'audition de la première scène, Claude Chabrol lui propose de la faire tourner dans son prochain film. Et Louis Malle lui offre un contrat de 4 ans pour l'adaptation d'une nouvelle de Conrad. Je savais pas quoi penser tout ça. J'étais heureuse d'avoir accompli finalement ce pourquoi je l'avais fait, c'est-à-dire être passé sur une scène, avoir vaincu, non pas le trac, parce que j'étais en dehors du trac, je savais même pas où j'étais quand j'étais sur scène. Tellement j'étais terrorisée. Mais apparemment, ça s'était bien passé, et puis voilà. Et je savais pas quoi penser de tout ça. Et puis j'étais mineure, bien sûr. Louis Malle m'a demandé d'aller voir mon père pour signer un contrat. Alors là, il a fallu parler à mon papa. Et sa réaction a été si intelligente. Ça m'a donné une idée tout à fait différente de ce que pouvait être ce métier. Il a réfléchi et il m'a dit, écoute, dans l'industrie, quand on te propose un boulot pour 4 ans et que tu sais que tu vas faire bouffer tes ouvriers pendant 4 ans, tu le prends. La finale de ce fameux concours de théâtre se faisait à Cannes pendant le festival. Je suis arrivée à l'aéroport à Nice. Et là, il y avait un avion qui marquait mon nom dans le ciel. Ce nom était tout nouveau, ce nom de Marie Laforêt, il datait de l'avant-veille. Et il y avait un avion qui marquait mon nom avec de la fumée. Là, j'ai pensé que ces gens étaient tapés.
je me suis dit franchement, là on dépasse les bornes. Je suis arrivée sur la croisette, il y avait ma photo sur toute la croisette, genre 12 mètres sur 6 de haut, un point d'interrogation parce que mon nom était choisi depuis l'avant-veille, donc ils n'avaient pas pu mettre de nom. Et là, j'ai été de plus en plus persuadée que les gens de ce métier étaient totalement tapés. On était dans une communication extrême, enfin, j'avais même pas encore gagné la finale de ce fameux concours de théâtre. Et que déjà, parce que j'étais prise sous contrat par Louis Malle, il y avait ma photo partout sur la croisette. Ça a été un lancement, je dois dire, extrêmement réussi. Hein. C'est ainsi que Maïtena Domenac, alias Marie Laforêt, tourne sous la direction de Louis Malle en mai 1959 à Cannes, des essais d'un film qui finalement ne se fera pas. On devait tourner en Grèce, en scope, en août et en couleur. Puis là-dessus, on m'a rappelé de vacances au mois de juillet, juste avec un télégramme, en me disant que j'allais commencer un film. Et je me suis retrouvée dans plein soleil. Je ne savais pas quel était le scénario. En fait, le rôle de Marge était un rôle qui avait été écrit pour Jeanne Moreau, qui avait donc 10-15 ans de plus que moi. Je ne savais pas ce que je devais faire là-dedans. Donc la production qui m'avait prise sous contrat m'a vendue à la production de René Clément. Et je suis partie le lendemain pour l'Italie avec Alain Delon et Maurice René. Et j'ai beaucoup aimé la technique. Plein Soleil, adapté d'un roman de Patricia Asmith et magistralement mis en scène par René Clément, est une réussite sur tous les plans. Le film confirme le talent de Maurice René et propulse les deux jeunes nouvelles vedettes, Alain Delon et Marie Laforêt, au sommet de la notoriété. Je suis tombée heureusement sur un metteur en scène qui est René Clément, qui est un grand technicien. Un grand technicien, un grand metteur en scène. Donc là, la seule chose, je peux dire, qui m'a intéressée dans le métier du cinéma, c'est la technique. La seule chose qui m'intéresse est d'essayer de rentrer dans la vision du metteur en scène, de bien repérer ce que c'est qu'un bord cadre, de bien être dans mes marques, d'aider au maximum la technique. Finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai moins aimé ce que j'avais à faire dans le film, mais c'est un beau film, c'est sûrement un beau film. Je n'ai pas vu. Comment ça, vous ne l'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas vu ce film? Non. Même pas des petits bouts. Des petits bouts, oui, ça m'a suffi, oh là là. Je me trouve hideuse. Tout ce que je dis, je trouve que c'est absolument monstrueux. Je me dis, mais comment on a pu choisir cette prise? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux pas. Ça, c'est au-dessus. Il y a des acteurs, il y a des catégories d'acteurs qui sont comme moi. J'ai pas le monopole de ça. C'est voilà, il y a des gens qui adorent se voir et qui adorent se corriger. Et il y en a d'autres qui sont comme moi, qui peuvent pas se supporter et qui regrettent chaque mot qu'ils disent. Tout est mauvais. Ils sont moches, ils sont laids, ils sont cons. Ils s'aiment pas. Donc ça, c'est plutôt mon cas. Hein. Quelle idée est-ce que vous faites de vous-même? Vous êtes quelqu'un de bien? Oui. Vous estimez? Ça dépend des jours, mais... Quand vous estimez, c'est pour quelle raison? Parce que je fais des choses que je ne regrette pas. Oui. Il y en a que vous avez regretté? Non. Alors, vous ne cessez pas de vous estimer, alors? Hein? Vous ne cessez pas de vous estimer, alors? Écoutez, vous me faites dire des choses, ça y est, ça commence. Je n'aime pas mon image, voilà, je n'aime pas mon image. Ça me dérange, il n'y a pas de miroir chez moi, il n'y a pas de... Je me regarde jamais. Ce qui frappe le public, comme les metteurs en scène, c'est d'abord la beauté de l'actrice, son allure, son regard, sa présence, un complexe qui donne une personnalité unique. Déjà au cinéma, la beauté c'est du talent. Alors que dire de plus quand une beauté possède du talent? J'ai toujours eu des soupçons là-dessus. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils se sont pas rendus compte
Comment est-ce que j'arrive à les bluffer pour qu'ils me disent que je suis jolie ou... Non, sur le talent, maintenant, je suis plus persuadée. Aujourd'hui, oui. Je ne m'en rendais pas du tout compte quand j'étais au théâtre la première fois. Mais sans doute que oui, il y avait une manière de jouer qui était déjà plus moderne que ce qu'on faisait à l'époque. Je parle au théâtre, hein, pas au cinéma. Au cinéma, je suis terrorisée. J'ai horreur de cette machine. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ces petits bouts de scène. Ça me casse les pieds, vraiment. Hein. Mais le théâtre, je dois dire que j'adore. Le public, lui, n'est pas de cet avis. Les metteurs en scène aussi. Marie Laforêt tourne en 1961 avec Pierre Cardinal, Le Rouge et le Noir à la télévision, où elle incarne Mathilde Lamolle auprès de Micheline Prel en Madame de Rênal. Elle tourne au cinéma Léviathan, une nouvelle de Julien Green adaptée par Léonard Kegel en 1962. En 1963, à cause d'une femme, une comédie légère de Michel Deville et Nina Companese avec Jacques Charrier. Dans la même période, elle avait participé au sein d'une distribution prestigieuse à un épisode des Amours célèbres de Michel Boiron. Je me souviens, on m'avait collé des fossiles et j'étais terrorisée parce que j'avais l'impression que si jamais je fermais les yeux, j'allais ouvrir la bouche en même temps. Donc c'était un cauchemar ce truc. J'étais avec une fille formidable, pas très sympathique, qui était Edwige Feuillère. Mais l'actrice dans toute sa splendeur, l'intelligence en plus, la culture, la classe. Et disons que ça c'était plutôt le côté fascinant de la chose. Mais ils n'ont pas été nombreux, les acteurs non plus, qui m'ont fasciné comme ça. Donc Feuillère, Michel Simon, Robert Mitchum. Rapport au partenaire, je vais vous dire, quand vous avez un partenaire qui a un rapport avec vous, remerciez le ciel. Mais je pense que j'ai connu que ça une fois dans ma vie. Les gens du cinéma sont terriblement narcissiques, hein. Ils vous regardent pas, ils disent leur texte en regardant s'ils sont bien dans la caméra, s'ils sont ils vous regardent pas, ils ont pas de... C'est très rare de trouver c'est très rare. Donc, c'est très frustrant, le cinéma. Et il y a des acteurs qui adorent ça, qui sont pas bons au théâtre et qui sont sublimes au cinéma. J'arrive pas à comprendre. Une place particulière doit être faite à un film emblématique de cette période, La fille aux yeux d'or. Cette adaptation d'une nouvelle de Balzac va longtemps servir de sobriquet pour désigner Marie Laforêt. Réalisé par un remarquable chef opérateur, Gabriel Albicocco, celui-là même qui l'avait découverte et fait tourner dans un tout premier film documentaire avant de l'épouser. C'était pas une très bonne adaptation et c'était pas un très bon film. Je crois qu'il est quand même représentatif de cette époque des années 60 parce que... Bon, c'était quelque chose qui était relativement original et qui était extrêmement léché, c'est-à-dire qu'on était dans la lignée de l'ancien cinéma, de Duvivier, d'Autant Lara, de Renoir, de René Clair, beaucoup plus que dans ce qu'allait devenir et dans ce qu'était déjà la Nouvelle Vague, qui était très brouillonne d'une certaine façon. Et regarder un film de Truffaut aujourd'hui, et d'ailleurs pour moi déjà à l'époque, c'est véritablement, ça prend beaucoup sur les nerfs. C'est très mal foutu, c'est vraiment très mal foutu. C'est mal écrit, c'est mal mis en scène, c'est mal cadré. Et je comprends pas comment il se fait que cette nouvelle vague a fichu en l'air des talents aussi énormes que des Renoir ou des Autant Lara. Enfin, bon, c'est comme ça, le cinéma français est devenu ce qu'il est. Alors déjà que j'aimais pas le cinéma, en plus de me retrouver avec des tartouilles, ça m'a franchement cassé le pied. Mais enfin bon, il faut bien vivre. J'avais deux enfants à charge et il faut bien vivre.
Le cinéma continue à faire cependant bon ménage avec Marie Laforêt. Son mari, Gabriel Albicocco, l'a fait tourner avec Charles Aznavour en 1962 dans Le Rat d'Amérique, d'après un texte de Jacques Lanzmann. Autre avantage du cinéma, ce sont les voyages. Marie découvre les pays andins d'Amérique latine qui sont le véritable sujet du film. Retour en France en 1963, où la sortie du film passe inaperçue. C'est alors qu'en pleine vague yéyé, on se souvient de Saint-Tropez Blues, réalisé 3 ans plus tôt, où elle jouait de la guitare auprès de Jacques Higelin. Michel Boiron lui propose de participer au film Chercher l'idole. En février 1963, elle sort son premier 45 tours, c'est l'avènement des Vendanges de l'amour, un énorme succès écrit par Daniel Gérard à des centaines de lieues des tubes du moment. Là, c'est un gag, c'est franchement un gag, parce que on a demandé à toutes les comédiennes de Paris de faire un disque, grosso modo, voilà. Alors, il y a Marina Vladi, tout le monde y est, Jeanne Moreau, truc machin, tout le monde va faire un disque. Moi, on m'amène 4 chansons, plus ou moins bonnes. C'est rigolo d'avoir une expérience supplémentaire, de savoir mettre sa voix avec un micro, de pouvoir manœuvrer avec ça, d'écouter sa voix, de chanter sur une musique, même si elle n'est pas géniale. Mais disons que ça, c'est rigolo comme expérience. Pas une seconde, j'ai pu imaginer que la chose allait faire un tube. Et finalement, je me suis retrouvée avec le Grand Prix de la musique et Charles Aznavour était en 2e position. Et ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait rire. Alors, bon, c'était une blague parce que c'était un chanteur immense. C'est un chanteur immense. Hein. Là-dessus, je reviens pas. C'est vraiment... Sur le plan humain, on n'a pas eu des rapports très sympathiques, mais c'est tout à fait un grand chanteur. Mais c'était rigolo. Donc quand on s'est retrouvé avec la remise des prix, et je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit « Tu vois mon petit Charles, l'année prochaine, si tu fais des progrès, tu pourras arriver à ma place. » Ce qui était vraiment... Et ça ne l'a pas fait rire parce que c'était tellement énorme, effectivement, que je pensais que ça allait le faire éclater de rire. Non, non, ça ne l'a pas fait rire du tout. Les Vendanges de l'amour, faut pas exagérer, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas une chanson d'Édith Piaf, quand même. Donc, il y avait quelque chose qui était dénaturé dans ce succès qui me faisait un peu honte. Je me retrouvais finalement avec des rentrées d'argent qui dépassaient celles de mon père, qui est polytechnicien, qui dirigeait Westinghouse, qui était... Enfin, bon. Un type hyper, hyper sérieux, et avec ce métier un peu ridicule et ces coups de bol incroyables, il y avait quelque chose d'amoral. Finalement, je crois que c'est ça qui m'a le plus déplu dans ce métier, c'est la moralité, pas l'immoralité, mais la moralité. Il y a une espèce de légèreté de la gloire qui ne correspond pas à un effort, qui n'est pas la récompense, ça n'est pas une récompense, c'est un hasard. C'est un hasard dans le sens du jeu de dés, quoi. Un bol monstrueux à enchaîner des tubes et à bien gagner ma vie avec ça, mais c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout ma vie, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis le temps qu'on passe dans un studio, c'est très court. On y passe une après-midi, on enquille 3-4 chansons et merci, au revoir, on n'entend plus parler du studio pendant 3-4 mois. Donc c'est un temps éphémère que j'adore, hein, cela dit. J'adore être dans ma petite cage et chanter. Mais après, non. Après, ça vaut pas des autographes ce que j'ai fait. C'est très frustrant. Viens sur la montagne en 1964, La bague au doigt en 1965,
Manchester et Liverpool en 1966, Yvan Boris et moi en 1967, jusqu'au gros tube qu'est Qu'alors la vida en 1968, Marie Laforêt vole de succès en succès. Accompagnée par Los Incas ou Jacques Higelin, quelquefois en conflit avec la politique de chansons légères de sa maison de disques, elle continue d'enchaîner succès et réédition. Elle chante en anglais, en espagnol, en italien, en russe, en roumain, aussi bien qu'en français. C'était un attrape-nigaud quelque part, parce que cette première chanson a été finalement le fil conducteur de toutes les autres. Et le fil conducteur, c'était l'extrême légèreté. Donc il n'y avait pas de travail réel à faire, puisque le charme de la chose, c'était sa spontanéité. C'était d'avoir une voix non travaillée, qui avait des qualités naturelles, mais enfin, c'est pas une grande voix, quoi. Donc j'aurais fait du chant classique, avec 10 ans de travail acharné pour arriver à sortir des belles notes rondes, je l'aurais beaucoup moins mal vécu. Et c'est la raison pour laquelle ma vraie vie ne se passait pas en France, ne se passait pas au cinéma et ne se passait pas dans les studios d'enregistrement. Ma vraie vie se passait en Argentine et je partais dès que j'avais 3 ronds, dès que j'avais gagné un peu de sous, je prenais mon sac à dos et Argentine. J'allais là-bas, j'étais chez moi finalement. C'est pas un voyage, c'était de retrouver ma terre. En plus, c'est un pays qui est magnifique, surtout à l'époque. Moi, la première fois que je suis allée à Iguassu, il fallait y aller à cheval. Il n'y avait pas de route évidemment, mais encore moins les hôtels qu'il y a aujourd'hui. Je ne pourrais pas revenir à Iguassu dans un complexe hôtelier. C'est le contraire de ce qu'a été ce paysage pour moi, c'est cet endroit. C'est pas tant l'exotisme qui me plaisait. D'ailleurs, l'Argentine n'est pas exotique. Ce qui me plaisait, c'était la vieille Europe qu'on y trouvait là-bas. Avec ce décalage de l'Amérique du Sud, qui est toujours plus lente que nous à attraper des modes, il y avait, en particulier à Buenos Aires, il y avait un relan de ce qu'avaient été les années 30 en France, ou en Angleterre, ou dans les pays européens, ou en Italie. Et c'était cette espèce de vieille pinta, comme on dit en Argentine, qui me séduisait. C'est un pays littéraire. Et en fait, la seule chose qui m'a jamais plu, c'est la littérature. Je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai fait du cinéma, j'ai fait une carrière de chanteuse, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est d'écrire. Et je n'ai fait que écrire, même si j'ai pas écrit. Mais je n'ai fait que écrire. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai écrit dans ma tête quelque part. Donc si je dois me trouver un talent de quelque chose, c'est l'écrivain. Marie Laforêt a publié en 1981 des souvenirs libertins, drôles, féroces ou acides dans Contes et légendes de ma vie privée. En 2001, elle a récidivé avec Mes petites magies, livre de recettes pratiques pour devenir jeune. En résumé, des livres qui lui ressemblent, mais à 100 lieues du récit d'une carrière à succès. Retour au cinéma en 1964, Marie Laforêt donne sur des textes de Michel Audiard la réplique à Jean-Claude Brialy dans La chasse à l'homme d'Edouard Molinaro. En 1965, elle a Jean-Pierre Marielle comme partenaire dans Sans briques et des tuiles de Pierre Grimblat. La même année, elle tourne auprès de Stéphane Audran et Takim Tamirov dans Marie Chantal contre le Docteur K, une parodie des films d'espionnage de Claude Chabrol, un pape de la nouvelle vague qui donne cette fois-ci dans Le Très Léger. C'est peut-être un des moins mal qu'il a fait. Je n'aime pas cette nouvelle vague. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je suis une amoureuse du cinéma jusqu'à 1945.
Bon, alors ça inclut des grandes fresques comme « Autant en emporte le vent », des films comme Laura, des films... Bon, j'aime bien le travail bien fait. L'Anna Karénine de Duvivier, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ma femme est une sorcière de René Clair, c'est un chef-d'œuvre. Mais quand je vois un film de Truffaut, de Chabrol à côté, je suis désolée, je déteste ça. Je trouve ça nul. Alors bon... Comme je ne peux pas m'empêcher, si on me pose la question, de dire ce que je pense, vous pensez bien que je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce métier. Si elle n'aime pas à tort ou à raison la nouvelle vague, Marie Laforêt a eu un coup de cœur pour le cinéma italien. Elle tourne en 1965 La soldatesse de Valerio Zurlini. Elle y incarne, comme Léa Massari et Anna Karina, une prostituée dans un bordel pour soldats italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale en Albanie. Marie Laforêt gagnera un prix d'interprétation au Festival de Moscou. C'était un film alors très dur à tourner, vraiment très dur. Et la Yougoslavie à cette époque-là, c'était sévère. Hein. Alors pendant l'été, ça allait. Et le 1er septembre, tout fermé. Plus rien à bouffer, plus de cigarettes, plus de... C'était les pays de l'Est, c'était quelque chose. Hein. C'était... J'ai eu une aventure avec Zurlini. C'est rare, hein, parce que j'ai pas touché ni aux acteurs ni aux metteurs en scène de toute ma vie. Moi, Zurlini... Elle a dit une bellezza. Il était très beau, très intelligent et très charmant. Marie Laforêt va continuer à tourner en Italie. Outre 1987, La Piovatre de Giorgio Capitani pour le cinéma, il faut citer L'Avare de Tonino Cervi avec Alberto Sordi en 1990, puis en 1995 à la télévision A Che Punto della Notte de Nanni Loy avec Marcello Mastroianni, ou encore Le Désert de Feu, une série en trois épisodes d'Enzo Castellari en 1997. L'Italie correspond à ce qu'on peut attendre du cinéma. Autant en France, il y a quelque chose qui est un peu forcé, autant en Italie, c'est une chose qui est naturelle, qui est plus romaine même que milanaise. Et c'est, ça fait partie d'une espèce de joie de vivre, ça fait partie de la vie de tous les jours à Rome, finalement. C'est beaucoup plus naturel de faire du cinéma quand on est en Italie. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de plus grands artisans, je trouve, au niveau du maquillage, au niveau des costumes, au niveau tout ce qui est le personnel technique et d'une infinie qualité. Donc c'est vrai qu'on est porté par quelque chose qui est déjà plus artistique, je trouve, qu'en France. Et puis ça fait, je sais pas, ça fait partie de la vie. Ça, c'est le passage enchanté de ma carrière. C'est surtout Fellini qui m'a marqué. J'ai vraiment regretté de ne pas faire partie d'une œuvre comme celle-là. Ça m'aurait... Mais n'importe quel rôle, je passe et je ramasse une poubelle en fond de plan. Hein. Ça m'était égal. Mais d'être sur un tournage de Fellini, ça m'aurait enthousiasmé. J'ai fait un film avec Mastroianni. Et malheureusement, il a été question de Fellini pendant tout le tournage. Et Marcello, il était totalement déprimé. Je ne l'ai pratiquement pas vu. Il sortait de sa roulotte uniquement pour dire sa réplique. Il disait qu'il ne la dirait qu'une fois. Une ambiance formidable. Et il retournait dans sa roulotte et c'est le moment où Fellini était à l'hôpital et où il était mourant et ça a énormément choqué Marcello. Il était totalement déprimé. C'était toute sa vie. Autre personnalité du cinéma et partenaire de Marie Laforêt,
Jean-Paul Belmondo avait joué successivement dans Flic ou Voyou en 1979, puis en 1984 dans Joyeuse Pâques de Georges Lautner. La même année, Marie et Jean-Paul se retrouveront à nouveau dans Les Morphalous d'Henri Verneuil, aux côtés de Jacques Villeray et Michel Constantin. Les films avec Jean-Paul, ça a été très sympathique. Ça a été charmant. Puis c'est un type intéressant, Jean-Paul, hein. C'est vraiment un type passionnant, pas du tout ce qu'on peut imaginer de fanfaron. C'est un type très secret, Jean-Paul. Très secret. Beaucoup plus intéressant que ce qu'il a l'air de faire quand il fait le guignolo. C'est un type timide. Ah, je regrette vraiment qu'on n'ait pas eu une aventure. Ça, je regrette alors. C'est la seule chose que je regretterais dans le cinéma. C'est con, hein. On aurait pu, mais non, mais non. Alors ça, je regrette, voilà. Mais bon, c'est fait, trop tard. Bonjour. Charmant, chérie. Qu'est-ce que j'aime Lautner? Ça, c'est un type charmant. Ça, c'est vraiment... C'est tellement sympathique de faire un film avec lui. Alors, nightclub, discothèque, musique, boisson, c'est compris dans le forfait. Non, franchement, j'ai sommeil. Oh, t'es dingue. Oh, écoute, laisse-la dormir. Je te prie de ne pas m'enlever l'autorité que je peux avoir sur cet enfant. Alors, qui est cette personne? Parce que tu m'as toujours pas dit, hein. C'est ma fille. Voilà. Salon! Dégénéré! Oh, je t'en prie, j'irai pas devant la Camille. Ça fait peur, hein. Quoi? Il a la trouille 007. Ma femme, ma fille. Oh, mais tu peux me laisser une seconde dans ta tête avec ta fille, je veux pas la manger. Non. James Bond de la panique. Tes dieux. J'ai jamais vu un père aussi pressé de se débarrasser de son enfant. Et si elle se fait attraper par sa mère parce qu'elle rentre en retard, tu la connais pas, sa mère. Avouez qu'il n'est pas dans une situation facile. Non. Ben, je vais vous dire, vos impressions, on n'en a rien à foutre. Et Jean-Paul, il arrive sur un plateau, il a tout vu. Il a un coup d'œil extraordinaire. Alors, on parle toujours de sa fameuse décontraction. Oui, alors il la joue. Il la joue remarquablement. C'est un hyper timide. Alors je connais parce que j'ai les mêmes problèmes, donc je peux repérer ça. Donc c'est vrai que finalement, sur le contraire de ce qu'on a l'air d'être, on avait beaucoup de points communs. Moi, tout le monde vous dira que j'ai un culot d'enfer, que je fais, que je me la joue, que alors que je suis terrorisée. Il y a plus de deux personnes dans une pièce, je suis terrorisée. Je pense qu'il y a plein d'acteurs comme ça. Ça vous dérange si je suis comme ça? Non. Galabru, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Un que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'aurais beaucoup aimé travailler avec lui. C'est Jacques Dufilot. Alors lui, il me fascinait. Il y a Sylvie Testu et Jacques Dufilot. Alors, ça, c'est mes idoles. Autre idole avec laquelle Marie Laforêt n'a pas pu tourner, Michel Simon avait fait non seulement des chefs-d'œuvre au cinéma avec Renoir ou Guitry, mais il avait fait aussi du musical. J'ai fait autre chose qui était beaucoup plus marrant. Je l'ai franchement imposé en première partie de mon premier Olympia. Il avait repris ses anciens. Elle était épatante, cette petite femme-là. Oh, c'était géant. Parce que ce qui était beau chez lui, c'est pas ce qu'il faisait, c'est ce qu'il était. Et c'était fascinant. Et Cocatrice était foutue dans une rage noire. En me disant, ben non, faut prendre des petits jeunes, faut que ça bouge. Qu'est-ce que tu vas me prendre ce vieux con?
C'était... Ça, c'est un truc glorieux que j'ai fait. Des gens qui ont une richesse intérieure qui explose, qui se voit dans chaque mot, dans chaque regard. Il y a quelque chose qui est présent, qui est intéressant, qui est riche. J'aime pas les beaux garçons. Ça, c'est... Type que comme Delon, il m'a jamais intéressé. Mais bon, on se refait pas. Hein. En revanche, le célèbre dessinateur Enki Bilal représente une grande rencontre. En 1996, 7 ans après Bunker Palace Hotel, ce dernier prépare un second film, Tico Moon, qui réunit, outre Marie Laforêt, Roger Dumas, Johan Lezen, Richard Boringer et Julie Delpy. Il met en scène, dans le futur, une dictature édifiée sur une ville qui ressemble à un Paris divisé en plusieurs zones. Jean-Louis Trintignant, en chirurgien, y pratique des transplantations d'organes pour la famille du dictateur, mystérieusement malade. Enki, c'est autre chose. Là, on est... Alors là, ça vaut la peine, parce que là, on fait partie d'une œuvre. Là, on est avec un artiste qui a une vision, qui a un monde à lui. Et là, il faut s'intégrer dans son monde, il faut bien le connaître, et il faut être une image. Il faut correspondre à la silhouette de ce personnage-là. On est un graphisme. On n'est pas une véritable présence d'acteur. On est juste un personnage de son monde. C'est très fascinant. C'était un magnifique tournage. Il trouvait que je ressemblais à ces personnages. Puis ça s'est fait naturellement, c'était évident. On est avec un artiste. Et là, ça change tout. Je suis sûre que si j'avais tourné avec Renoir, j'aurais été enchantée. Enchantée, parce que c'est... Ou encore mieux, René Clair. Parce que ce sont des vrais mondes que l'on doit intégrer. Et ce sont des vraies personnalités. Ça, c'est vraiment formidable. Je crois que c'est le plus beau souvenir que j'ai. Puis le film de Pino Solanas, qui était L'exilio de Gardel. Parce que c'était l'Argentine. L'Argentine, dans les années 80, c'est aussi la dictature militaire. Quand Fernando Solanas met en scène un groupe d'artistes argentins réfugiés à Paris, qui décide de monter un spectacle musical sur le tango, il fait appel à Marie Laforêt pour incarner le personnage de Mariana dans Tango, l'exil de Gardel. Le film recevra de nombreux prix, dont le grand spécial du jury du Festival de Venise. L'année suivante, en 1987, Marie Laforêt va être nominée meilleur second rôle féminin pour un rôle de maquerel distingué dans Fucking Fernand de Gérard Mordilla, une comédie satirique avec Thierry Lhermitte en puceau aveugle et Jean-Yann en criminel évadé sous l'occupation nazie. Tout m'amuse, tout m'intéresse. Donc pourquoi pas le cinéma? C'est en ça que je vous disais, je n'ai pas fait de carrière. C'est-à-dire qu'on m'a toujours proposé de faire des choses et qu'à chaque fois je disais « Eh ben tiens, c'est rigolo, parce que ça, jamais j'aurais pensé faire un truc pareil. » Donc c'est un challenge, mais c'est pas une carrière. J'ai jamais imaginé de me dire « Tiens, ils vont tourner Anna Karénine, j'aimerais jouer Anna Karénine. » C'est pas du tout, alors. On me dit « Tiens, il y a un petit rôle là-dedans. » Ce serait rigolo si tu pouvais me faire ça. Ok. Maïtena Doumenac. Donc, prénom basque et nom de famille catalan. Donc, voilà, c'est Testadura. Hein. Je suis une vraie sauvage. Je suis vraiment la descendante de bergers catalans. C'est une race dure. C'est une race dure, solitaire, silencieuse. C'est pas...
C'est pas encore apprivoisé, ça. Hein. C'est le fusil, hein. Le fromage et le fusil. Son chien, ses brebis et le silence pendant 4 mois. C'est vraiment, je me sens vraiment comme ça. Hein. Il y a un atavisme qui est... Et du côté de ma mère, ce sont des gens si gracieux. Des béarnais, pleins de poésie. Il n'y a que des artistes, là. Des architectes, des poètes, des musiciens, des... que la grâce incarnée, le goût, l'élégance, pas forcément la légèreté. Là aussi, je parle beaucoup de mon grand-père dans une de mes nouvelles. C'était un musicien et un poète. Et quand je l'ai connu, il avait déjà perdu l'usage de la parole. Donc... Nos rapports se faisaient dans le silence, bien sûr. Moi, je lui parlais normalement. Et bien sûr, lui ne me répondait pas. Mais on se comprenait extrêmement bien. Je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir eu quelqu'un qui était handicapé. Pas le moins du monde. C'était au contraire peut-être avec lui que j'avais le plus d'échanges. C'est curieux. Ça me... Bon, voilà, ça aussi, j'ai écrit ça. Un jour, je publierai. Mais c'est vrai qu'on attend de moi que j'écrive comme une chanteuse, c'est-à-dire la belle histoire où on arrive dans ce merveilleux métier du music hall. Et puis, on est très heureux parce qu'on est sur scène. Et puis, tout ça, c'est bullshit. C'est voilà. C'est même pas le miroir aux alouettes. Ah non, pour moi, pas du tout, alors. Alors, pour moi, mais alors, le contraire de ça. Par contre, c'est vrai, des rencontres avec des salles, des rencontres avec le public, qui sont quelque chose de prodigieux. C'est vraiment comme d'apprivoiser un taureau sauvage dans une arène. D'un coup, la bête se met à genoux, elle vient vous faire des câlins, on se regarde dans les yeux, on s'aime. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Mais la gloire, le truc, les autographes, ça, j'ai horreur de ça. L'ancienne traqueuse a donc fait du théâtre, et pas n'importe lequel. Elle a joué Audiberti, Carco, Claudel, Shakespeare, Yourcenar et Duras. La scène, alors que ce soit pour le tour de chant ou que ce soit pour le théâtre, là c'est vraiment là c'est vraiment très bandant. Hein. Ça c'est très bandant. Bon, c'est vrai que j'ai eu des très beaux rôles au théâtre, que j'ai pas eu au cinéma. Donc j'ai joué Audiberti, Claudel. Le dernier grand beau rôle, c'était Calas, que je vais reprendre à la rentrée. Formidable pièce. Et là, c'est cette impression, quand on rentre sur scène, que on arrive dans une autre dimension et qu'on est dans un espace d'un espace poétique. C'est un espace poétique et privilégié. Et d'absolue liberté. Personne ne peut venir vous téléphoner, vous dire quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Vous êtes dans un autre lieu. Vous êtes dans l'auréole des saints quelque part. C'est une grâce. Alors ça c'est vraiment formidable. Là, je dois dire. Je kiffe. Là, je kiffe grave, comme on dit. Je kiffe grave. Mais c'est vrai que le cinéma m'emmerde. Voilà. M'emmerde. La lecture, c'est ma vie. Les animaux, c'est ma vie. Mais cinéma, je sais pas ce que j'ai tourné. Je vais pas voir mes films. Je vais peu au cinéma. J'adore les DVD. Mais j'aime pas trop aller au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Titanic, c'est vous dire.
Marie Laforêt ne s'est donc pas contentée de faire du cinéma et d'être auteur de chansons. Elle a été aussi pionnière de la world music en révélant en France Bob Dylan, Atahualpa Yupanqui, Oum Kalsoum, Egberto Gismonti. De façon plus inattendue, elle a pris aussi le temps d'être commissaire-priseur. Et sûrement plus dans la nature des choses, elle était aussi mère de famille. J'ai pas invité Marie Laforêt chez nous. J'avais deux filles et c'est déjà très difficile de tuer la mère. Mais en plus, quand la mère est une personnalité ou une célébrité, c'est encore plus difficile. Donc j'ai vraiment mis l'image Laforêt, il n'y a pas une photo de moi, il n'y a pas... Il n'y a pas un disque de moi, il n'y a pas un film, encore moins. J'ai totalement gommé cette image, surtout pour mes filles. De façon à ce qu'elles soient très vite en hostilité, si j'ose dire. Ce qui est un beau métier de mère. Elles ont quel âge ? Oh, ben Lisa maintenant fait du cinéma, elle. Tiens donc. Oui. Elle commence dans la semaine prochaine. Elle commence la semaine prochaine. Son deuxième film en tant que metteur et son quatrième en tant que scénariste. Donc c'est rigolo, hein. Et la seconde fille est chez un éditeur. C'est bien, je suis contente de mes enfants. C'est quand même la plus grande partie de ma vie, hein. Cette super protection des enfants par leur mère a peut-être une raison profonde. J'ai été violée à 3 ans. Ça fait très jeune, oui. C'est une histoire qui est tellement passée pour moi que si vous apprenez la nouvelle, ça doit vous faire un choc. Mais moi, j'ai tellement travaillé la matière à partir du jour où je m'en suis souvenue que c'est vraiment un événement qui est passé, qui est une anecdote qui, à la limite, ne me concerne plus. Comme quoi, je le dis pour tous les gens et les femmes, hommes, garçons, filles qui se sont fait violer, on en sort, hein. On en sort très bien. C'est un travail à faire, mais c'est pas impossible, hein. Et là, je vous dis, j'ai même été jusqu'à raconter ça dans les journaux pour que ce soit vraiment, mais alors, que ça sorte de ma vie. C'est totalement sorti. Par contre, ça, c'est pas sorti de ma vie. Et il est trop mignon. Elle est venue vous consoler. Oui, mon amour, elle est venue me consoler, mon amour. Donc voilà, c'était mon fenêtre. C'est Cosette. La vie de Marie Laforêt a donc été une sorte de combat. Elle ne court pas les tapis rouges, elle a horreur des flashs et elle se cache pour sortir dîner. En revanche, elle aime bien avoir les mains dans la terre et s'occuper des rosiers de ses deux domiciles parisiens ou genevois. On ne peut pas trouver que la célébrité soit quelque chose de négatif et on ne peut pas non plus trouver que ce soit positif. Très souvent... Je me suis dit, qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais été parfaitement anonyme? Je crois que je me serais amusée davantage. J'ai toujours eu le sentiment d'être tenue parce que j'étais une personne connue et que je ne pouvais pas me permettre d'être ivre morte quelque part ou d'être habillée d'une manière indécente ou de dire des choses que je ne pensais pas ou de mentir ou de... encore que ce soit pas du tout ma nature, mais bon, ça tient dans une espèce de corset qui est une rigueur quelque part de se dire, attends, il y a des gens qui sont fraiseurs chez Renault, qui rêveraient d'être acteurs de cinéma, et moi ça m'emmerde, c'est honteux. J'ai une culpabilité vis-à-vis de cette reconnaissance des gens. Je me sens un peu mal à l'aise, un peu, je ne la mérite pas.
Bon, il y a aussi beaucoup du fait d'avoir été violée quand j'étais enfant qui fait qu'il y a une culpabilité de base qui ne s'en va jamais tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant dans, dans la notoriété qui est que je, même si je vais faire mes courses, je fais attention à ne pas être en dégueulasse.